Salut à tous, ça faisait longtemps, mes chers amis. Alors aujourd'hui, deux hors-série spéciales. On va parler assez rapidement de deux numéros consacrés à un même sujet. Alors, Godzilla, le film qui est sorti il y a quelques jours au cinéma. On commence par l'écran fantastique spécial. Voilà. Godzilla, pour les puristes, si vous connaissez un peu Godzilla, moi je suis pas un spécialiste sur le sujet, mais j'aime bien ce genre de film aussi. Voilà, donc ils ont choisi c'est un numéro qui est très bien fait. Je vais vous montrer quelques images. Voilà, qui a beaucoup d'images. Filmographie sélective. Ah, c'est fait 65 ans de destruction massive. Voilà. Il y a beaucoup d'articles très intéressants. La fin d'une époque. Parce qu'il y a plusieurs époques en fait. Hein. Je vous expliquais tout à l'heure. Trou noir et insecte géant. Le mélange des genres. Alors, ça fait référence au dernier film sorti. Hein. Donc là, ils ont essayé de retracer tous les films de la franchise. Il y en a beaucoup. Voilà. Avec les versions américaines aussi. Voilà, Roland Emmerich. Le film de Roland Emmerich. Pacific Rim aussi. On fait référence à l'univers de Godzilla aussi. Un article. Gamera. Voilà, on y vient au film. Voilà, le film qui est sorti récemment en salle en France. Godzilla 2. À la fin, on vous parle des acteurs aussi qui ont joué dans la série. Qui vous est pas inconnu, hein. Elle a joué dans Stranger Things, évidemment. Ou encore lui, que vous connaissez, hein. Ce monsieur que vous connaissez bien. Voilà. Et bien sûr, Kyle Chandler aussi. Qui joue dans le film. Voilà, un numéro plutôt intéressant, bien découpé, je trouve. Voilà. Écran fantastique, donc spécial. Godzilla. Autre numéro. L'écran fantastique. Voilà, classique, dans la série classique, que je trouve plus réussi. D'une part, dans la découpe. Puisqu'on commence par l'ère Showa. Voilà, 54-75. Avec les premiers Godzilla, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 films. Voilà, donc ça c'est la première ère que les puristes connaissent bien. Donc là c'est découpé. On parle de la première partie. Godzilla, l'ami des enfants. Alors, je ne les ai pas lus encore les deux hors-série. Hein, mais visuel, je trouve que Mad Movies est plus. Et mieux découpé en termes de profondeur. Voilà, donc en noir et blanc. Alors j'ai pas mis de petit papier, donc je suis obligé de retrouver les pages à la main comme ça. Après, on a l'ère NC 84-95. Voilà. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films à peu près. Ouais, c'est 7 films. Retour aux sources. Remix. On vend des posters, des articles de développement sur tous les films qu'il y a eu. On arrive à l'ère Millennium après quelques pages. Voilà, 99-2005. Depuis Godzilla 2000, en gros, quoi. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films, je crois, je dis pas de bêtises. C'est terminant par Godzilla Final Wars, que j'avais trouvé pas mal pour l'époque. Voilà, donc on a quelques incrustations assez intéressantes dans ce hors-série spécial Mad Movies. Le grand final, Final Wars, qui était pas. Ouais, Final Wars, un classique. Voilà.
L'ère Reiwa, 2016 à maintenant, avec 1, 2, 3, 4 films. Voilà, on sent que Mad Movies, on sent que ce sont des connaisseurs chez Mad Movies. Regardez-moi ça, c'est joli ça. Pour les puristes qui. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à découvrir les films. Les Godzilla américains. Ouais, voilà, les Godzilla américains. D'en fait partie le dernier film sorti en date. Voilà, les séries animées US. Godzilla que vous ne verrez jamais. Monstre géant. Ouais, au final, un excellent hors-série. Hein. Que je vous conseille aussi de vous procurer. Voilà. Et en tout cas, ils sont deux, vous avez le choix. Soit vous prenez les deux, ou soit vous prenez l'un des deux, comme vous voulez. De toute façon, c'est le même prix. Hein. C'est 9,90 €. Nombre de pages hors série. Je crois que le Mad Movie, ça doit être une centaine de pages. Je dis pas de bêtises. Je vérifie quand même. Faut pas que je vous dise de bêtises. Il y a 100 pages pour l'écran fantastique. Et 100 aussi pour le Mad Movie. Voilà. De visu comme ça, j'en aurais plutôt une préférence pour le Mad Movies. Déjà parce que là, en plus sa couverture elle est excellente. Après, à vous de voir, hein. J'ai pas encore lu les deux numéros, mais bon, à vous de voir. Vous avez de l'argent à dépenser, achetez les deux. Hein. Ou achetez l'un des deux, ou ce que vous trouvez en kiosque, en tout cas. Voilà, Mad Movies Godzilla. Une franchise à découvrir. Pour ceux qui connaissent pas, bah, je vous invite à découvrir par le dernier film, éventuellement. Ou par les films qui passent éventuellement sur Ciné+, hein, il me semble que je vais vérifier ça, mais il me semble que sur Ciné+, ils les mettent souvent en avant aussi. Sur les abonnés à CanalSat notamment. À Canal, voilà, Canal, offre Canal. Voilà, allez, on se retrouve à la prochaine pour un petit point sur les dernières sorties consacrées au magazine de Fantastique notamment. Salut!